Bonjour à tous, c'est Damory et Saba. Notre spécialité, les souvenirs historiques de la haute époque à la Première Guerre mondiale, principalement les coiffures. Nous allons vous faire découvrir de nombreux objets au fil de nos vidéos, afin de faire partager la richesse de notre patrimoine historique au plus grand nombre, de manière ludique. Je vous présente aujourd'hui un casque capeline de cavalerie du XVIIe siècle. La bombe en acier est fabriquée en une seule pièce avec 6 nervures. La visière, d'une forme originale, est fixée à la bombe par 4 rivets en fer et traversée par son milieu par une imposante protection dit nasale. La nuquière, composée de 4 lamelles, est en forme de queue d'écrevisse, assemblée par des rivets en fer. De chaque côté de la bombe, 2 protections d'oreilles en fer, prolongées d'une jugulaire en cuir. Ce modèle de casque d'une forme originale était très à la mode avec de nombreuses variantes au XVIIe siècle dans beaucoup d'armées européennes. On en trouve en Angleterre jusqu'en Pologne et dans beaucoup de pays du Nord et de l'Est de l'Europe. En France, il est en service au début du règne de Louis XIV avec ce modèle présenté. J'espère que ce voyage dans le temps vous aura plu. À très bientôt pour de nouvelles découvertes. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez voir toutes les autres en vous abonnant à notre chaîne YouTube Damory Historia. Merci.